voilà, à la mi-temps, on avait fait, je pense qu'on avait fait la même première mi-temps que contre Guingamp. Voilà, plus, nous, on s'était dit de rester costaud et qu'en deuxième mi-temps, on allait avoir des brèches. Malheureusement, on a pas eu de cases en deuxième mi-temps. Et très peu en première. Et très peu en première, je suis d'accord. Pas décourageant pour autant. Non, c'est pas. Parce que c'est quand même la moins belle prestation qu'on ait vue depuis le début de la saison. Je sais pas après ce que je revois le match, mais voilà, on baisse pas les bras, mais on sait qu'on a de la qualité. Et voilà, maintenant, il faut le mettre à domicile. Toi qui as découvert justement la Ligue 1 il y a 3 ans, quel est le conseil que tu pourrais donner à des jeunes là, qui découvrent ce niveau? Non, mais quand on commence, on est insouciant. Voilà, on a envie de tout croquer, maintenant il faut. Voilà, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, il faut de la folie, il faut pas réfléchir. Faut oser, parce que voilà. La folie, c'est voilà, oser. C'est oser, frapper, essayer de tripler, voilà. Cette fraîcheur qui caractérise les joueurs qui commencent en Ligue 1, tout simplement. Comme un peu l'a fait Valentin Lavigne. Ouais, voilà, après. Il y a des, voilà, il rentre contre Guingamp, il a tout réussi ce soir, mais heureusement. Voilà, il a pas réussi, mais on le connaît, il a de la qualité, et je suis sûr qu'il marquera des buts. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme mot d'encouragement aux deux attaquants?